Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais préparer du pain de mie semi-complet. Donc j'ai préparé les ingrédients là. J'ai 10 centilitres de lait que j'ai chauffé un petit peu au micro-ondes. On va rajouter notre sachet de levure boulangère à l'intérieur. Voilà, c'est un petit sachet comme ça. On le met dedans. On mélange, voilà, on laisse un tout petit peu agir, on va le mettre de côté. Ensuite, on prend notre petit bol, on va venir mettre de la farine blanche. Donc là, voilà, je pense que j'ai dû mettre environ 200 grammes. Ensuite, j'ai de la farine semi-complète de chez Carrefour, comme ça. Vous en trouvez de partout, de celle-ci à Auchan, à Carrefour, voilà où vous voulez. Et ensuite, on ajoute également, pareil, 200 grammes. Voilà. Ensuite, une petite pincée de sel, comme ça. Même c'est un peu plus d'une pincée, on va dire une bonne cuillère à café. Allez. Je vais venir mettre de l'huile de tournesol. Vous pouvez mettre du beurre si vous préférez. Donc on commence à pétrir un peu comme ça, à mélanger le tout. Et on vient ajouter le lait avec la levure boulangère. On va commencer donc à tout ramasser. Et pour finir, on met un petit peu d'eau et on pétrit la pâte jusqu'à obtenir une belle pâte qui se tient bien. Donc, quand on a bien rajouté l'eau, on vient pétrir notre pâte. Vous pouvez le faire au pétrin, si vous préférez. Alors, une fois que vous avez bien transformé votre pâte en une petite boule comme ça, vous la remettez, hop, à reposer pendant 1 heure. Donc les filles, j'ai laissé reposer ma pâte ce matin, donc je l'ai laissé reposer vraiment toute la matinée parce que je suis partie au sport et là je suis revenue avec les petits et elle a mes triplés de volume et ça c'est vraiment super. Donc on va dégazer la pâte et on va venir la mettre dans notre moule. Non Zara, faut pas mettre le papier sulfurisé comme ça devant. Donc voilà, on dégaze bien. Donc là je vais partager ma pâte en deux. Voilà, parce que j'ai bien l'impression que je peux en faire deux. Hop, donc on va prendre la première pâte, on va bien la mettre comme ça, de la taille du moule, donc c'est un moule comme ça. On fait à peu près la longueur du moule, voilà, la même longueur, et on va venir, donc c'est un boudin comme ça, un petit boudin, qu'on va venir mettre à l'intérieur. Voilà, vous mettez dans le moule, on va le relaisser reposer une petite demi-heure. Hop, on le recouvre, on le relaisse reposer un tout petit peu et ensuite on va le mettre au four. On va venir faire pareil, couche pas ma chérie, pareil avec le deuxième boudin, on refait un autre petit boudin. Et du coup, on fait la même chose et on met dans un autre petit moule. Celui-ci est un peu plus petit. Donc on va essayer de rentrer quand même le pain.
va laisser reposer également. Après avoir bien laissé reposer, on met au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. On surveille bien la cuisson. Voilà les filles, j'ai sorti les deux pains de mie du four. Donc voilà, on va couper des petites tranches. Du coup, je l'ai laissé 30 minutes au four, pas 45 minutes comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça a très bien suffi. Et regardez-moi ça. Tout moelleux, délicieux. Les petites, elles ont déjà attaqué celui-ci. Regardez, un bon petit pain. Franchement, il est, je goûte, super bon. Et voilà, si vous voulez voir de ce côté, on va couper comme ça. Voilà, une belle tranche de pain de mie maison. Délicieux. Essayez la recette et envoyez-moi une petite photo sur Instagram, ça me fera plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite, bisous bisous!